Donc, la commission menu d'Argenteuil est une commission qui se réunit tous les deux mois à la cuisine centrale. Cette commission va nous permettre donc de valider les menus des deux mois suivants. Lors de cette commission, nous avons plusieurs membres présents. Nous avons donc la directrice de la cuisine centrale, la diététicienne qui élabore ces menus, les parents élus, les directeurs d'écoles maternelles et élémentaires ainsi que des référents donc, de la municipalité. On revoit les différents menus, donc les deux mois, semaine par semaine et produit par produit. Donc on revoit les produits donc un à un pour permettre de vérifier donc l'équilibre et revoir si on souhaite faire des modifications. Donc lors de ces commissions menus, nous avons également la possibilité de déguster les menus qui sont servis lors des déjeuners, donc en élémentaire et en maternelle le jour même à midi. Ils sont réchauffés dans les mêmes conditions que dans les écoles. Donc au niveau de la cuisine centrale, nous essayons d'utiliser donc les circuits courts. Ceci est valable pour les fruits et légumes. Nous pouvons prendre l'exemple des carottes qui sont achetées, donc, qui viennent de production qui se tue au Mureau, soit à moins de 100 km d'Argenteuil. Nous avons également tout ce qui est salade de fruits et légumes de saison qui viennent de vergers situés en Île-de-France. Sachant que la loi Egalim demande à ce que les cuisines centrales donc mettent en place 50% de leur budget de produits sur des produits bio. Donc sur 2022, nous allons utiliser 50% de notre budget pour acheter des produits bio et labellisés.